Comme ça. Est-ce que tu m'entends bien? La hauteur. Est-ce que tu remarques que je suis toujours au-dessus du son? Parce que là, en fait, le truc, c'est que pour moi, il a l'air très haut. Mais je sais pas si j'arrive à taper plus haut en parlant comme ça. Sachant qu'en plus, là, on va arriver dans les horaires où je vais commencer à parler bas et tout. Je suis fatigué déjà un peu. Ok, tu m'entends bien. Ok, alors on va changer. Hop. 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 Et voilà. Bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons bloquer le canal de Suez, je pense. Alors on continue, hein. On continue notre sauvegarde de la semaine dernière. On en est au troisième épisode et on était au restaurant. Je crois qu'on n'avait pas fini le restaurant. Je sais pas. Est-ce que ça allait sauvegarder? C'est mon pire ennemi. Hein. C'est mon pire ennemi. Bon, elle est cool. Je sais plus comment on regarde. C'est où qu'on regarde les tâches déjà? Ah oui! Ah non, c'est bon en fait. On en est au bon moment. Il nous restait pas grand-chose à faire du coup. Faire tomber un seau. Ah oui. Oh. Donc on avait trouvé qu'on pouvait rentrer en s'en foutant. Hein. Salut, je me fais. Tu te fais ban. Calice. Bonjour Supreme Leader, j'ai pas compris le Supreme Leader, mais si tu dis que je fais partie de la force impériale de Star Wars, je suis pas d'accord. Alors ici c'est une bonne confrérie sans jugement. Alors ça, je sais pas si on est que des frères, mais oui, si tu dis. Ouais, on est une Adelphie ici. Ah mais du coup, on en est à ça. Regarde-moi bien passer, hein. Regarde bien. Regarde bien. Merci d'avoir sub quand même. Non, sub, c'est follow la chaîne, c'est ça qu'on dit dans le jargon Twitchien. Regarde-moi cette. Oh mais il faudrait que je l'agrandisse un peu. On voit pas bien la lecture. Alors j'ai tout cassé le stream tout à l'heure, donc c'est normal que ça n'a pas l'air très clean, mais c'est parce que j'ai tout cassé pour pouvoir revenir à zéro sur OBS et pour avoir un peu plus de ressources. Là, on prépare notre super attaque qu'on avait déjà préparé pas mal la dernière fois. Grosso modo, on fout le bordel et on essaye de faire en sorte de faire venir le chauve. Pour faire venir le chauve, il y a plusieurs techniques. Déjà, on lui dit, elle, qu'elle ne peut rien faire parce que je suis une noire très puissante. C'est quoi le texte à droite? Tu veux dire le chip stream? Chip stream, c'est l'émission. Après, il y a la date et il y a une horaire. Et à droite. À droite, c'est le chat. Ouais, ça doit être toi qui écris. Normalement, tu devrais te voir. Déjà, ça, on va. Hop. Je veux dire le 13 bis en haut, c'est la marque, t'as vu? Ouais. Alors il y a peut-être une marque, je sais pas où tu vois écrit quelque chose, je sais pas. Et écrit quoi? Par hasard? On va lui défaire ce truc hein, parce que je suis pas très concentré. Je sais même plus comment on défait son. Ah oui, c'est comme ça. Donc, du coup, hop, déjà ça, c'est bon. On va faire Splinter Cell. Voilà, hop, et hop. Vas-y, cours, cours, cours. Cours, 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 cours. Bien. Bah, ça dépend en fait ce qu'il y a écrit. Je me fais ban. Mais après, le truc, fais attention, hein, tu vas te faire ban, si ça se trouve. Salut Pépé, tu viens ou pas? Parce que c'est son surnom. Hein.
Alors, on va prendre ça. Non, on va prendre ça. Parce que lui, il va forcément le ramener. Salut Pépé, bonjour, au revoir. Voilà. Et donc, du coup, on le met là. On va tout mettre dans le truc. Et au bout d'un moment, il va bouger ses fesses, le Pépé. Il y a comme des sous-titres. Ah oui, c'est Stream Closed Captioner, c'est ma voix. Si tu parles de ça, c'est l'extension en fait qui s'appelle Stream Closed Captioner qui te permet de faire une voix de. Enfin, qui te fait permettre d'avoir une écriture pour les malentendants. Et autres d'ailleurs. Il n'y a pas que les malentendants qui ont besoin de la lecture. Et du coup, tu peux choisir si tu veux ta typographie. Par exemple, si tu es un peu dyslexique, tu peux très bien. Et tu as du mal à bien lire, par exemple aussi. Tu peux très bien. À passer par Stream Closed Captioner, choisir ta typographie pour pouvoir essayer d'avoir ce que je dis. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est un algorithme. Donc, du coup, je parle vite, je suis français et je mets beaucoup de verlan dans mes phrases. Donc, déjà, c'est très compliqué, quoi. Eh oui, mes phrases n'ont souvent aucun sens. Et parce que, justement, je suis. Pas du bon, on va dire, je parle pas du français très soutenu, quoi. Si tu préfères. Et donc, du coup, l'idée, c'est que l'algorithme il capte pas trop, par exemple, mes phases de verlan, le fait que je parle vite. Voilà. Oui, non, mais je sais que c'est les soucis, t'inquiète. Le truc, c'est que l'algorithme, il a l'habitude d'un français, tu vois, genre calme, posé, de radio. Je devrais faire comme. Allez, viens. On va t'avoir. Ah non! Attends. Voilà. En fait, tu vois la voix de France Culture? Il faudrait que j'ai la voix de France Culture pour pouvoir qu'il capte bien tout ce qui se passe. Allez, on va l'avoir. On va l'avoir. C'est le dernier truc, c'est le dernier truc. Le dernier chignon manquant. Comme on dit, ça n'existe pas. Allez, allez, allez. Allez, reviens. Eh oui! Eh oui! Eh oui! Et on fait la belle loi. On fait la belle loi. On fait la belle loi. On casse tout ce qui est pas à nous. Parce que voilà, on s'en fiche. On est une loi comme ça, nous. Et voilà. Et voilà. Et voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et voilà! Ouais, et du coup, si jamais tu stream, je te conseille de l'avoir, c'est une bonne extension. C'est un peu pareil que l'extension sur les pronoms. Je pense que c'est quand même un minimum d'avoir un peu d'inclusivité et pour tout le monde en fait. Donc, du coup, je pense qu'on est bien équipé là. On a le couteau en plus, on peut partir. Non, mais le couteau, s'il te plaît, rends-le-moi! C'est quand même mon arme préférée. Du coup, nous, on était en train de parler de. On a joué à Vandals tout à l'heure. Vandals, je sais pas si tu connais, c'est un jeu de graffiti sur. Enfin, produit par Arte. Je pense qu'il faut aller du côté de l'église, mais aller à l'église avec un couteau, c'est faisable, quoi. Et du coup, là, on joue à un Untitled Goose Game. Je sais pas si tu connais le jeu. Grosso modo, on a des tâches à faire. On est une oie. Et le but, c'est de foutre un peu le dawa. Je sais pas comment il va traduire. Bonjour, l'algorithme de Stream Closed Captioner. On fout le dawa. Tu connais? Je sais pas si t'arrives bien à capter le dawa. grosso modo. Comme diraient certains groupes de rap, on fout la merde. Si vous connaissez la ref. C'est un peu une vieille ref maintenant, mais je sais pas où aller du coup. On va se balader. Hein. J'imagine qu'on va encore. On va... Ah bah tiens. On pose le couteau dans l'eau qui flotte. Non, le couteau qui flotte, ça j'y crois pas. On jette ça et on prend. Voilà. Maintenant, on est une bébé oie. Après, le Nibbler, quand tu dis tu as dû mettre les sous-titres, je pense que c'est automatique, tu es obligé de l'avoir dès le début. Parce que vu que c'est moi qui l'autorise dès le départ à pouvoir le faire, je pense que les sous-titres sont tout le temps là. Et après, tu peux choisir l'endroit, tu peux mettre au milieu, tu peux mettre sur le côté, etc. Et si en plus tu as déjà accepté l'extension, tu peux déjà aussi faire les modifications, je crois. C'est un peu comme Quiz Event.
Je crois qu'on a fini les objectifs, y a plus rien là. Faut qu'on se déplace. À part si on doit redonner la carotte au dieu du puits, mais ça c'était un peu dans. Bah en fait là les objectifs, tu vois, par exemple, on vient de tous les faire. Il fallait juste faire tomber le seau et je l'ai fait. Ah, faut cliquer sur l'extension quand même. C'est comme Quiz Events en fait. C'est un peu la même chose. En fait, faut que tu autorises le truc. Je sais pas par où on doit aller, mais j'imagine que c'est par là. Non, non, là on venait de par là, je crois. Ah mince, je suis tombé dans l'eau. Excusez-moi, je suis perdu. Ah! Ah oui, c'est parce que j'ai balancé tellement de trucs dans l'eau. Il y a tellement de trucs dans l'eau. Ah oui. Mais du coup, je sais pas. Est-ce qu'on doit revenir du côté de. Attendez. Non, bah ça, on s'en fiche en fait. On va donner. On va dire bonjour à notre roi. Bonjour, ô roi. Tiens, prends ce don. Ouais, il devait juste tomber sur sa tête, c'était juste ça. Donc là, on fait un tour de tous les gens qu'on a bullies. Voilà. Et faut trouver par où faut aller, du coup. Mais je sais pas exactement où exactement. Du coup, il n'y avait pas de bruit. Ouais, je crois que j'ai pas mis de bruit pour les follow. C'est dommage. Mais peut-être que je mettrai un bruit, genre. Je mettrai le get out. Vu que c'est l'image de get out. Je mettrai get out. Avec le cri. D'ailleurs, en parlant de partir, je vous conseille d'aller voir et d'aller aider le site d'action actuellement. Je pense que c'est peut-être plus intéressant que de regarder moi en train de faire le bête avec une oie. Bon, on va traumatiser un peu le petit encore une fois. Voilà, vas-y. Voilà. Ça c'était pour ça c'était pour le plaisir. Hein. Le petit me fait un peu plaisir à chaque fois. Si c'était sur la tête du mec, bah, il est tombé sur la tête du mec. Hein, je sais pas si t'as vu. Peut-être que t'as pas regardé. Bon, toi, je suis pas d'accord. C'est totalement de t'as un problème avec les pigeons. Hein. On va t on, alors non, on va donner à notre cher. Je crois qu'on a peut-être fini le jeu. Hein. Je rigole si on a fini le jeu là. C'est pas possible. Ça veut dire que je vais devoir jouer à Factorio. Non. Ça se trouve, je vais devoir jouer à. Non mais c'est ma fleur. Oh, t'es pas marrant. Voilà. Ça se trouve, je vais devoir jouer à Loop Hero pour vous montrer comment je suis doué. J'en avais parlé aussi un peu la dernière fois, hein, jeudi. Bon, on donne tout, hein. On donne tout à notre cher maître. C'était ballot de dire get out au nouveau arrivant. Ouais, bon, après, en fait, le truc, c'est en plus un film d'horreur, donc social, mais un film d'horreur. Ça reste un film d'horreur. Et donc, du coup, l'idée, c'est. J'aime bien le check. Je trouve que ça signifie beaucoup de choses. Et j'aime bien la signification que ça a. Surtout chez Twitch. Le rapport parasocial et compagnie. Et en plus, le get out, c'est un peu agressif le cri. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis de son. Mais j'aurais si je devais mettre si j'avais dû mettre un son, j'aurais mis le je pense ça. Peut-être qu'il faut aller dans les cuisines. Hein. En tout cas, là, définitivement, Petit Cancanou ne sera pas là. N'hésite pas d'ailleurs en Nibbler à utiliser les commandes. Tu sais que j'ai rajouté des nouvelles commandes. En plus, il y a don avec le point d'exclamation don. Il y a TW c'est plus Twitter, c'est TW parce que c'est plus simple pour vous de l'écrire plus facilement. YT pour YouTube. J'ai fait quoi d'autre aussi? J'ai fait plein d'autres trucs. Voilà, je sais plus. Il y a Histoire Crépue, Petit Cancan déjà aussi qui n'ont pas changé cela. Ah oui, il y a 13 bis qui était toujours là, mais en fait, on aurait dû plus l'utiliser. Ah bah c'est ici. Il y a eu des meurtres de tomates, donc ça doit être par là. C'est pas par là. C'est où la porte? On fait quoi après? 13 bis qui donne les différentes émissions du coup. Mais ça, c'est pas ouvert en fait. Les mecs, c'est où qu'on passe? Fallait que je reste? Fallait que je regarde?
Je fasse quoi? Alors attendez. Ah, casser la cible, j'avais rien, j'avais pas fini de casser ça. Donc du coup, il faut que je casse la cible ici. Comment je fais pour rattraper ça? Ça, on l'a déjà fait de toute façon. Hop. Monte. Monte. Comment on peut casser la cible? Je devrais changer boutique, c'est peut-être pas le bon terme. Comment je casse la cible? J'ai du mal à voir comment je pourrais casser la cible. Donc le vent, déjà, ça marche pas. Je veux pas essayer de la choper. Attendez. Peut-être avec la tête. Non, je peux pas étendre la tête. Bah ouais, je pense que je dois utiliser quelqu'un, mais je fais comment pour pouvoir l'appeler quelqu'un? Je réfléchis, hein. Je vais regarder s'il y a des objets qui peuvent nous aider. L'assiette. En fait, le mieux, ce serait de faire flipper le petit pépé. Ah oui, il y a ça là-bas. Il faudrait faire flipper le petit pépé. Pour qu'il puisse faire tomber la cible déjà. Et que moi, je la récupère. Ouais, à part la faire tomber, ouais, en fait, faut que je le fasse, je le fasse peur. Et que du coup, ensuite, ça crée. Ça crée justement un truc un peu plus. Comment dire? Oh, je vais pas réussir à la sortir, celle-là. Ah, si, c'est bon. Et que du coup. Peut-être une petite balayette au pépé. Ah non, mais il a déjà fini ses trois. Oh. Bon, on va attendre. Hein. On va attendre là, caché. C'est vraiment les dimanches. Hein. Moi, j'aime bien le petit stream parce qu'en fait, ça fait un truc pas mal. On fait du graphisme, c'est le dimanche. Du graphisme, du graffiti, c'est le dimanche. Ah! Non, mais t'inquiète, hein. Je viens juste. Voilà. C'est pas visé, papé, hein. Franchement. Et du coup, du graffiti, petite balade du dimanche. Et donc, du coup, après, on joue Loa, qui est notre maîtresse à toutes. J'imagine que c'est par là. Ah non. Donc, c'est pas par là. Ah bah on est passé par-dessus. Oh là 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 là. Et voilà. On a débloqué comme à la Dark Souls. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Alors ça c'est intéressant. Il y a un robinet. Bon, peut-être qu'il faudra faire électrocuter quelqu'un. Ah non. C'est fermé par ici, mais du coup ça doit être la suite. Du coup Nibbler, t'as vu comment on a fait? Tu avais raison. Oh trop bien! Un mini-golf! Ha L'enfer! Bonjour! Entrez dans le village miniature. C'est le village où je vais pouvoir noyer tout le monde. Regardez. C'est exactement ce que je veux faire depuis le début. Je suis le. Je suis. Alors, le pépé, il est là-bas en plus. Il y a le petit. Ah, on peut creuser! C'est intéressant. Alors, est-ce que ça vous fait une petite ref, un mème que vous connaissez peut-être à côté d'un agriculteur? Malaise. C'est-à-dire malaise. D'être. Voilà, bam! Voilà! Ah, mais on n'a pas du coup le. On n'a pas vu la factrice par contre. C'est une factrice, hein. Un facteur, je sais pas.
Factoris. Factoris, d'ailleurs, je sais pas. On peut passer là? Oh, c'est à ma taille. Alors toi, PP, par contre. Je suis désolé, hein. Je te rappelle que les dinosaures, c'est aussi des oiseaux. Et donc, ah, donc il y a un monsieur avec un t-shirt rouge dans le coin. Ok. Bon. On regarde ce qu'on a à faire. Voler la belle cloche dorée miniature. La belle cloche dorée miniature? Elle est où la belle cloche miniature? Oh, on peut tout casser! Godzilla. On casse tout. Allez, on va jouer à Doctor Who. On peut ouvrir la porte, juste. Et voilà. On joue à Doctor Who avec la porte à la bouche. Elle est où la cloche? Ah bah oui, elle est forcément dans le... Allez, hop. C'est par là. On peut pas sauter. Ah oui, il y a vraiment en plus des petites limites, comme des limites physiques, qui s'appellent des remparts. Allez, pousse-toi. Sur l'église. Ouais, bah oui, mais ça paraît logique, hein, en même temps. On l'a entendu en plus, l'église, tout à l'heure. Voilà. Moi, je suis un artiste. J'ai décidé d'être un artiste. Voilà. Je suis bloqué. Ah. L'histoire de l'art. Je suis bloqué. Bon, ok. On continue. Du coup, j'avais raison de passer par là. Voilà. Donc ça, c'est le village miniature du village miniature. Hein. C'est quand même une histoire. Hein. Ah, faut que j'enlève tout là. Voilà. Voilà ce qu'on fait à la royauté, nous. El Pueblo Unido, comme on dit. Ah oui, si vous avez pas vu le truc à l'Odéon, je vous conseille. El Pueblo Unido. Allez. Nique la monarchie. Clip. Ah ouais, je crois qu'il y a une commande clip si tu fais point d'exclamation clip. Je crois que tu peux le faire comme ça, hein, si tu galères à chaque fois. Allez, nique la monarchie. Oh. Ah! Et voilà. Et maintenant, je suis devenu le boss des cloches, comme dans Game of Thrones. Si vous regardez le JDR de Game of Thrones. Sur Mister M, sur la chaîne de Mister MV. Voilà. Je vous conseille, c'est assez rigolo. Et donc ils ont créé une map qui s'appelle Nol, où il a ramené jusqu'à la maison. Du coup, la maison, quelle maison? Quelle maison? Il y en a plein des maisons. Bon, j'imagine que c'est l'autre maison. Donc c'est point d'exclamation clip hein, si tu veux t'amuser. Tiens, je vais essayer, comme ça va être fait. Essayons! Bon, normalement Wizbot ou Nightbot se réveille, mais je sais pas si ça va fonctionner. Oh là, regardez. Pétage de mur en règle. Ah bah tu l'as fait, du coup. Non, on a dit que c'était à bas la monarchie. Mais bien joué en tout cas, Nibla. C'est quelle maison qu'il faut ramener? Vous êtes servi! Est-ce que c'est cette maison-là? Parce que si c'est la maison de la maison miniature, de la maison miniature.
Ah, c'est peut-être la maison, la première maison. Allez, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Mais non, mais alors tu vas pas me péta ma cloche, je te le dis direct. Non mais elle est sérieuse, elle? Ramène-moi ma cloche. Non mais elle est ouf. Je vais aller la chercher tout seul. Je la ramène à la maison si je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je la donne, hein, on est d'accord. Faut que je la donne. Ah! Notre dieu a été enfermé. Il est enterré. Mais par contre, on a gagné un sou. Merci, cher dieu. C'est par là qu'il faut passer, hein. Pourquoi c'est fermé ici? Ah, faut vraiment que je fasse tout le tour et que j'embête tout le monde. C'est pas de problème, hein, ça je fais ça tous les jours. Faut que j'aille dans la maison de la. De l'artiste? Non, mais t'inquiète, regarde, je fais juste tout que passer. Ouais, non, c'est pas cassé ici. Non, mais je te permets pas, c'est ma cloche. Non mais vous êtes sérieux là? Je suis allé la chercher à midi. Déjà, je te permets pas. Et je l'amène ici, dans cette maison-là. Tu vas faire quoi? Voilà, tu vas faire quoi? Tu connais la propriété privée dans ton monde capitaliste? Non mais. Tu vas faire quoi maintenant? On peut ouvrir ça ou pas? C'est ici qu'il faut passer ou. Il faut qu'elle arrête de me suivre en fait. Bon, alors du coup, la maison, quelle maison? Mais je pense que c'est la première maison du coup, parce que ça a l'air d'être bloqué justement sur le chemin de la première maison. Si vous voulez dessiner des trucs, je pense que ça c'est une bonne idée. Genre. Ça c'est joli, hein. Mais je vous permets pas, madame. Mais c'est ma cloche. En fait, mais laisse-moi ma cloche. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux ma cloche? Bonjour Pépé, il est où Pépé? Mince, il a bloqué par là. Mais tout le monde va m'embêter. Tout le monde est là pour m'embêter. Arrête de. Quoi? Mais c'est pas elle en fait. Pourquoi tu la donnes à ton dieu à toi là? Tu t'es cru chez qui? Chez Mémé? C'est pas possible. Non, on va y arriver hein. Je sais pas quelle. Hey, j'espère que c'est pas la maison, la première maison, parce que sérieusement, si c'était dans la maison miniature là, je suis choqué. On fait tout ça pour rien. On fait tout ça. Tels mes ancêtres, Raptor. Tels mes ancêtres, T-Rex. Alors non. Non, je te permets pas. Je te per. Non! Oh, non mais c'est pas possible, j'arrive pas à récupérer son truc. C'est pas à toi en fait. C'est juste pas à toi. Mais même pas tu vas me. Mais c'est pas possible, il me bourre lui. Bon, je vais trouver le chemin. C'est quoi? C'est d'abord c'est quoi le chemin? C'est par où qu'il faut passer parce que je comprends pas. Hein. Ça a pas l'air d'être de ce côté-là. Hein. Ah si, c'est la porte d'entrée qui est ouverte. Ah bah faut passer par là du coup. Ok. En fait, je force un peu, Nibbler.
en faisant le bruit à chaque fois. Mais tu te doutes que je ne vais pas jouer calmement cette voix maléfique. C'est l'heure de manger! C'est la récré! C'est la récré! Bon, là par contre, je sais que la marchande elle est pas sympa du tout. Donc j'imagine que la maison, c'est la maison du pépé. Mais je sais pas ce qui est censé être débloqué là-bas, donc on va voir. Non mais en fait, si c'est comme ça que tu te fais ta thune, madame la marchande, je suis pas d'accord. Ah mais vous êtes même pas marchande, qu'est-ce qui vous embête en fait? Vous êtes qui? Partez. 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 Mais même le petit, je te permets pas, tombe avec tes trucs là. Je te permets pas. Je t'ai bomboclate tellement vite. La maison elle est où? On y arrive. Ah mais j'ai fait trébucher le garçon dans la fac. Il est retombé là? Il est retombé bêtement? Non. Mais le mec il se fait boycott toute sa vie. Non, c'était pas là. Faire en sorte que le gars enferme le garçon dans la cabine. Faire en sorte que le garçon mette les mauvaises lunettes. Faire en sorte que quelqu'un achète ses propres affaires, faire des courses. Que bah il est tombé tout seul. C'est ici la maison? Ah, excusez-moi, je crois qu'on m'attend ailleurs. Je vais déposer la cloche ici, exactement. Voilà. Alors, du coup, c'est pas ici qu'il faut passer? Je comprends pas. La maison, c'est quoi? Ah, mais la maison, c'est tout au début. C'est ça l'histoire? Regarde, je te pique tes carottes, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ah, il s'en fout. Wow. Ah, si. Ils ont tous level up, hein? Ils ont gagné en expérience. Le mec il devient fou. Ok, j'ai entendu un truc. Voilà, donc chez moi c'est en bas. Hein. Regarde, là, normalement c'est là. Oh non, mais alors, par contre, je te permets pas de me suivre. Mais tu vas jusqu'où là? Je vais réveiller mes petits canetons. Est-ce que c'est par là? C'est là la maison? C'est ici ma maison. Je vais dans une décharge moi. C'est ça l'histoire, non? Et que je suis une pivoleuse maintenant. C'est là où on commence le jeu, non? Oh! Is that the endgame, c'est que chaque année, il y a une oie qui naît. Pour pouvoir voler des cloches. Je trouve ça génial. J'avais oublié l'histoire des cloches. Non mais c'est ça l'histoire. Waouh. Trop bien. Trop bien. Cool. Cool. Bon bah c'était bien du coup. On a vraiment foutu la merde comme pas possible. Jusqu'au bout. Une oie dans le rôle de l'oie. Avec l'oie dans le rôle de l'oie. Bon, cool, hein. Vachement bien. Je comprends pourquoi les gens ils étaient fans du jeu. C'est archi bien. L'idée est vachement bien en plus de te rappeler un truc que tu. Au final, tu vois, il n'y a pas de quête à proprement parler, à part d'embêter tout le monde. Mais l'idée de. Tu commences, en fait, t'es déjà plus ou moins à côté des cloches, je crois qu'on les avait vues au début, mais on n'en rappelle plus. Et bah, c'est cool ça. On aura fini. Bah, je vais laisser tout le crédit quand même, parce que c'est bien. Regardez un peu tout ça. Féliciter toutes ces personnes qui ont travaillé sur le jeu.
La souveraineté n'a jamais été cédée, c'est beau. Et après, du coup, on recommence le jeu, j'imagine. Parce qu'une autre voix s'est éveillée. Une autre. Oh, il y a des tâches en plus? Enfermer le jardinier hors du jardin. Ok, vas-y, c'est parti. On fait le late game. On fait le late game. Alors, comment qu'on enferme? Ah oui, c'est vrai. On va prendre la radio. La radio, je pense que c'est pas mal pour pouvoir enfermer. On va faire un petit tas ici. Hein, et on va mettre tout ce qu'on veut. Hein. C'est comme ça qu'on crée des appâts pour les humains. Hein. Alors, je te permets pas de... Tu connais le harcèlement qu'on fait aux animaux, nous les humains? Donc on va faire la même chose mais avec des humains, ça te dérange pas? Ok. Voilà, hop, enfermé de l'extérieur. C'est ça, hein? Faut juste faire ça, non? Là, il est enfermé, là. Ah, mais du coup, c'était des tâches en plus. Le gamin qui retombe, qui tombe dans la flaque, c'était une tâche en plus. Pique-nique au chou. Bah écoute, pique-nique, hein. C'est ici les choux. Ah, il faut que je fasse. Ah, faut que je me balade avec ça. Comment je fais pour déjà rien que prendre le truc? Je peux pas en fait. Faut que je fasse rouler. Mais là, il est enfermé ou. Non, il est pas enfermé. Ah, c'est peut-être de l'autre côté qu'il faut que je mette. Attends. Ah oui, faut que je pique ses clés en fait. J'avais pas vu qu'il avait des clés. Comment tu vas les retrouver? Je sais pas. Trop bien. Bon, là je pense qu'on est bien. Hein, pour l'enfermer, on est bien. Faire sonner les balances du magasin. Faudrait que je me pose dessus. Là on fait que du plus et c'est trop bien. Moi je suis très pour les plus hein, dans les jeux vidéo. Là il est enfermé ou pas? Ou je dois utiliser les clés? Ah bah si c'est bon. Ok. Pique-nique au chou. Faire sonner les balances du magasin. Ouvrir un parapluie dans le magasin. Alors, on va faire ça déjà. Parce que le pique-nique au chou, je vois pas trop ce qu'on va faire avec. Comment on va faire? On va faire déjà faire trébucher le gamin, que ce soit fait méconnu. Salut! Tu connais. Ah, tu penses encore à la... Ah oui, mais j'étais un peu traumatisé aussi avec la cloche, hein, c'est vrai. Donc, faire sonner la cloche. On va ouvrir un des trucs. Voilà. Hop, hop. Hop, c'est ouvert. C'était pas celui-là qu'il fallait ouvrir? C'est pas ouvert ça? Faut essayer... Attendez, je comprends pas. Ouvrir un parapluie dans le magasin de TV. C'est pas le magasin de télé ça? Ah non! Faut que je me que je prenne le parapluie, que je le balade. Ok. Hop. Hop. Il y a tout un chemin. Où il y a tout un chemin? Où il y a tout un chemin? Connaissez-vous le mec lourd.
À vrai dire, je sais pas comment on est rentré la dernière fois. À part en traumatisant le gamin. En fait, il fallait enfermer le gamin pour qu'elle sorte, je crois. J'ai vu les points d'exclamation, mais tu viens pas. T'es traumatisé? Se passe quoi, madame? Oh là là. Il faut plus de bruit. Comment on fait sonner le... Tu vas devoir passer par ici si tu veux m'attaquer. C'est pas assez long. Faut un truc long. C'est quoi qui est lourd dans le coin? Oh, les canettes, ouais. Comme ça. Voilà, c'est fait. Faire en sorte que quelqu'un en dehors de la rue principale rachète ses propres affaires. En dehors? Alors, dans le panier près du puits, une tulipe, une lys, un rose, une rose, une marguerite et un chrysanthème. Ah, il faut traverser tout le truc avec le chrysanthème, ok. Voilà, attends. Parce que ça, c'est faisable. On a déjà donné beaucoup à notre seigneur le puits. Donc, donner à notre seigneur le sac. C'est faisable. Ouais, moi, ce speedrun. Ah, mais. C'est vrai que j'ai piqué le. Je l'ai foutu. Je l'ai mise où? La fleur, elle est où? Où est partie la fleur? Est-ce qu'elle est là? Non, ça, c'est les clés. Y a quoi dans mon. En vrai? Y a rien. Bon, de toute façon, il faut aller aussi dans le jardin des gens là-bas. Je sais plus où j'ai mis la fleur. Alors déjà, on va prendre ce sou. On va le poser là. Du coup... La tulipe, je sais pas où je l'ai mise, du coup. Donc je sais pas trop comment on va faire. Hein. En espérant que ça se recharge tout seul. Nibbler, tu te rappelles plus où j'ai foutu la tulipe, là, il y a 3 secondes? Ah, il y a une rose là. On peut récupérer une rose ici, je pense. Ah non, c'est la rose qu'il faut couper. Oh. Donc, faut la forcer à couper son truc et qu'elle coupe la rose. Allez, coupe. On a besoin de la rose coupe. Ah, merci. Voilà, hop. Non mais c'est pas grave, c'est juste une galère à faire pousser les roses.
T'inquiète. Donc ça, la rose, c'est prêt. Ça, on l'a fait. Ah oui, donc je crois qu'on peut passer par là pour aller plus vite. La rose, c'est bon. Je suppose qu'il doit y avoir un truc sur le chemin. Peut-être chercher la tulipe quelque part. Où j'ai mis aïe aïe aïe. Comment on va faire? Ah, ouais. Ah si, c'est pas celle que j'ai essayé de faire sortir justement. Si, elle est peut-être dehors justement le jardin. Regarde. Non. Le pique-nique est là. Donc pique-nique au chou, j'imagine qu'il faut que je prenne toutes les affaires du pique-nique au chou. Que je l'amène au chou. Bon écoute, on va essayer. Sauf que c'est fermé ici maintenant. J'aurais dû le faire avant. Bon. Ah, mais il y a un trou là. Derrière. C'est moi ou je rêve? J'espère qu'il n'y a que ça à trimballer. De toute façon, il faut absolument qu'on trouve la tulipe. Je sais pas exactement où elle est, mais elle doit être pas loin du fermier parce que j'ai joué avec. J'espère qu'il l'a replantée. Ah, je suis parti loin avec, je crois, en plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Il est là, lui. Bonjour, on fait le pique-nique ici. Mais monsieur, vous avez la tête dans les choux? Il fait quoi? T'es traumatisé? Il s'est passé quoi? Qu'il est perdu, le monsieur. Le monsieur, il est perdu. Le monsieur, il est perdu, Nibbler. Il a la tête dans les choux. Je crois qu'il est traumatisé, Nibbler. Je m'en veux un peu, là. Bon, alors, toi, on a besoin de toi pour que tu sortes. Allez. Va te faire enfermer. Mince. Ça rentre pas. Ça rentre. Bon, allez, je suppose que... Mon Dieu. Voilà, direct. Et voilà! Comme ça c'est fait. Je pense que ça c'était un des plus compliqués. Le pique-nique au chou, je vois toujours pas. Faut trouver les plantes.
La plante rouge, je l'ai balancée où? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on est d'accord que la deuxième personne qui vit ici, l'artiste, ne cultive pas. Elle cultive pas une plante particulière. Excusez-moi, je viens chercher vos champs. Genre, est-ce que je suis censé prendre ça? Non. Ça, une jonquille. Non. Non. Chrysanthème, marguerite, tulipe. La tulipe, c'est celle qui est dans le truc. La marguerite, je sais pas. Ça, c'est une jonquille. Chrysanthème, ça ressemble à quoi déjà? Ça, c'est une marguerite, hein? Ah! C'est ouvert. Peut-être qu'on va trouver une chrysanthème ou une marguerite dedans. On va aller dans l'autre sens. C'est possible que ce soit dans l'autre sens. Ça, c'est une chrysanthème? Non, ça, c'est pas une chrysanthème. Ça ressemble à quoi une chrysanthème, le nibbler, tu sais? C'est pas un truc un peu violacé, quelque chose comme ça? Ouais, j'imagine qu'il y a une plante aussi. Quelque part dans le coin. Parce que ici, c'était ouvert, mais on sait pas pourquoi. T'aurais pas vu ma tulipe? Ah, il est tombé dans son truc. Ah, ah mais mesdames, je peux faire le beau pour vous. Attendez, je m'occupe de lui, là, parce que lui, il est énervant. Ça, c'est une marguerite, j'imagine. Jaune, en entier ou pas? Ou c'est juste écoloré? Ok, il y a des couleurs différentes. Okidoki. Est-ce qu'il y en a, là? Je pense que c'est... Ah, je vais éternuer. Je pense que c'est elle qui me donne la chrysanthème du coup. Mais attends, je vais prendre ma fleur, hein. T'as cru que qu'on était potes à ce point-là, là? Tu veux pas tomber quand tu me ramènes? Non mais je vais prendre ma fleur, mec. Je te l'explique tout de suite, hein. Je vais prendre ma fleur. Voilà, je vais prendre ma fleur, je t'ai dit. Mais tu boites, non? Un peu. Ok. Donc ça, ça doit être la chrysanthème, ça. Non, c'est la marguerite. Eh, mais du coup, la rose, on n'en a pas besoin? Une tulipe, un lys. Alors, attendez. Ça, c'est la rose, et la rose, t'en as pas besoin. Ah si, la rose c'est bon.
tulipe. Lys. Oh, le lys, je sais pas non plus. C'est une sorte de cloche, non, la lys? Le lys. Cloche violet, non? C'est pas un truc en cils? Ouh là là, comment on va trouver le lys? Bon, le lys, c'est du côté de la monarchie, j'imagine. Ah là là. Je pensais pas qu'on allait faire un apprentissage des fleurs, mais je suis pour. Du coup, parlons, qu'est-ce qu'il y a? Chrysanthème, les chrysanthèmes, ça pousse pas à côté de l'eau, par hasard, genre? Y a pas un truc comme ça? Ou c'est moi qui m'invente une vie? C'est blanc, oui. Ah, c'est blanc. Oui, ça paraît logique. Bah, je pense que c'est du côté de la monarchie, de toute façon. On va regarder. Mais là, on revient au début, non? C'est pas ça l'histoire? Ah, elle est là! La tulipe! Je me disais aussi que j'avais fait quelque chose avec ça. Bon, du coup, faut aller la ranger. Elle était pas si loin. Un peu triangulaire, fleur tombante. Regardez, mais qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, vous plantez vos choux un peu avec votre tête là aujourd'hui. Du coup, je peux tranquillement faire mon pique-nique. Hein. Mais lui, il fait son pique-nique aussi. J'espère qu'on va avoir de l'argent. Hein. Elle est grande la tulipe. Hein. Lys et chrysanthème. Lys, ça doit être clairement du côté, du coup, comme on a dit, de la monarchie. Donc on va aller chercher du côté de la monarchie, là où on a cassé tout, 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 tout. C'est dommage parce que moi j'aime bien les roseaux. Je pense que ça doit faire joli aussi en bouquet. Non. Y'a que moi qui pense que les roseaux c'est beau. Je suis triste. C'était par là, là. C'est par là qu'on rentre? C'est où qu'on rentre? Ah oui, c'est en dessous. C'est en dessous. Ah mais y a tous les gens noyés que j'ai noyés. Ah bah elle est là. Ça c'est quoi ça? C'est une chrysanthème ça. Bon allez, on est parti. Et du coup, le lit, ça doit être plus loin. Bon, là, j'ai l'impression qu'on fait un peu. Non, bah, je vais pas passer par là parce que c'est le pire. Ça, c'est quoi? C'est une chrysanthème? Ça ressemble à un bouton. Bon, bah, du coup, j'aurais appris mes fleurs. C'est bien. Après, il y en a certaines que je connais facilement, mais que j'ai du mal à. Hors sol, bof. Pourquoi hors sol? C'est beau sur place, les roseaux. Ouais. Ah oui, tu veux dire que ça sert. Ah, donc c'était bien la chrysanthème. Donc, du coup, le lys, il doit être à côté de la monarchie, du coup, réellement. En fait, c'est. C'est beaucoup. Pour moi, le roseau, c'est beaucoup un agrément en plus dans ton bouquet si tu fais un bouquet, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les petits trucs un peu blancs, évaporeux, là. Je sais pas comment on peut dire hein, d'autres. Qui fait beaucoup de pollen. Enfin, c'est du pollen d'ailleurs, je sais même pas. Un peu poilu et tout. C'est un peu ça, c'est un peu un truc que tu rajoutes pour augmenter des fleurs en fait. Il y a une autre cloche là. Je peux aller chercher une autre cloche si je veux. Alors du coup, on revient à la base. C'est qu'on a trouvé la chrysanthème et il nous faut le lys. Bon, je sais pas qui a foutu le. Franchement, hein, personne qui est passé ici, pas très. Pas très attention. Hein. Y a-t-il un lys ici? Bonjour? Non? J'arrête. J'ai arrêté de vous embêter avec ça.
En plus, c'est un truc à retrigger le générique, j'imagine. Parce que là, on trigger déjà les achievements qu'on a déjà fait. Il y a un truc à faire ici ou pas? Ah, mais il y a plein de choses! Ah ouais! Ça, c'est pas possible. Ça, c'est avant que. Faut aller très vite. Enfermer le garçon dans le garage, c'est faisable. En dehors de la rue principale, rachète ses propres affaires. Comment tu veux faire venir quelqu'un en dehors de la rue principale? Fait, ce serait par exemple. La seule personne, l'agriculteur. Attraper un objet lancé par-dessus le grillage. Se faire lancer par-dessus le grillage. Marquer un but. Faire flotter le petit bateau sous un pont. Faire un spectacle. Au pub en portant un ruban. Voler le bon laine, le de laine du vieil. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je suis pas sûr qu'on va tout faire. Hein. Là, on fait les robots. On fait les fleurs parce que c'est bien, ça nous rappelle les trucs, mais tous les achievements, moi, ça m'intéresse pas forcément. Hein. Je le précise d'avance. Parce que je sens que vous allez vouloir que je finisse. Parce que je pense que c'est déjà bien hein, ce qu'on a fait. Après, c'est vrai que ça a l'air d'être des achievements qui sont cool à faire, mais. Déjà le lys il est où? Ah le petit bateau, ah ouais c'est ce petit bateau là. Ok, bon, celui-là on va le faire. De toute façon, le bateau il est sous la table. C'est déjà fait pour nous. Hop. Du coup, le mieux ce serait de repasser par là parce que sinon je vais me faire bomboclate par le mec. Et on va juste le faire passer dans l'eau. Parce qu'il faut juste le faire passer sous l'eau. C'est ça? Le petit bateau qui passe sous. Voilà, hop. Voilà. Et du coup, le lys, toujours pas trouvé. Alors j'ai vu une sorte de lys blanc tout à l'heure, mais je sais plus exactement où c'était. Et je crois que c'était dans les jardins. Ah non, c'est ici. Ça, c'est un lys, ça. C'est un lys, ça, non? Comment je fais couper pour ça, là? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont coupé peut-être le lys, quelque part? Dans ce cube. Enfin, la personne qui a fait le piano, il s'est dépouillé, hein. Waouh. Ah, on peut plus repasser par là. Intéressant. On a tout sauf le lys. Ça, c'est blanc. Mais ce n'est pas du lys. Là, c'est bloqué. Faudrait que j'aille chercher le. Ok. Ah oui, pour marquer un but, c'est ici. Il est où le ballon? Il n'y a pas de ballon. Faut que j'aille chercher le ballon. Le ballon. Ah oui, c'est le ballon du petit. Oh mon Dieu, mais comment je fais ça? Il n'y a pas de lys non plus.
En fait, depuis que j'ai pris la cloche, je crois que ça a rétabli toutes les positions. Le lys pousse comme les tulipes depuis un bulbe. Ok, donc du coup, il faudrait que je trouve le bulbe. Mais le bulbe, c'est. Ça change pas grand-chose en fait, son principe. Parce qu'à mon avis, elle est déjà fleurie, la fleur. Vu que toutes les fleurs sont fleuries, là. Mais là, il y en a plein, là. Ça ressemble à des. Ça ressemble pas à des lys, ça? Comment je rentre dans ce truc? Je peux pas, hein. C'est un peu surplacé. Ouais. Ah, mais le noise gate, il fonctionne plus, là. Attends, c'est moi ou c'est moi? Là, il est en mode noise gate. En fait, peut-être pas, hein. Parce que là, il a plus de quoi. Non, il entend. Il n'entend plus. 18. Normalement, vous m'entendez bien. Ça devrait fonctionner. Bon, on continue. Du lys. C'est peut-être elle qui en vend, remarque, du lys. J'ai pas pensé à ça, mais. Ah, mais si, il est là. Esquive! Et après, on prendra le ballon au retour. On va essayer de marquer. Laisse-moi passer. Ça, c'est un lys, on est d'accord. Hein, ça ressemble à ça, un lys. Oh non, c'est fermé. Je peux passer par là? C'est ouvert de l'autre côté? Depuis que je l'ai bloqué le. Ah, c'est ouvert. Ah ouais, je l'ai vraiment trigger tout quand j'ai pris la cloche. Ah ouais. Fou, fou, fou. Il est toujours là, là. T'es toujours bloqué, Pépé, hein. Je vais prendre ton chapeau, du coup. Si ça te va. Ah, c'est fermé par là aussi. Ouh là là, mais faut que je fasse tout le tour. En vrai, je sais même pas où Ah oui, si, j'arrive de l'autre côté. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. En fait, je crois que c'était pas le bon sens. Je suis parti du mauvais côté. Parce que là, je dois. Ouais, là, je peux pas faire. Là, si je descends, du coup, je reviens et là, c'est bloqué. Ah, j'ai vraiment trop trigger le truc. Ouh là là. Donc là, si je reviens ici, c'est bloqué aussi. C'est ça? Ouais. Ça a l'air d'être ça. Ouh là là. J'aurais pas dû toucher la cloche. Bon, bah, du coup, on essaye de récupérer le ballon en même temps que la tulipe. Et puis voilà. Et du coup, le chapeau du petit pépé, on aurait pu le faire. C'est dommage. Là, c'est fermé, tout à clé. Wow. En fait, tout est trigger pour que tu puisses traverser le plus difficilement possible jusqu'à là, chez toi, en fait, avec la cloche. Donc là, du coup, il faudrait que je passe à côté du garage. Bon, on finit ça et après c'est la fin du stream. Hein. Vous vous doutez bien. T'as jamais vu une noix avec un lys à la main? Enfin, ou dans le bec? Oh, je vais devoir pas. Non. Si. Mon Dieu. Bon, attendez. Il y a quand même des moyens d'aller plus vite. Hein. Ah oui, ça va, ça va. Je pensais que c'était plus long le chemin. Mais là, rien que pour revenir avec le ballon. Waouh! Parce que revenir avec le ballon, faut que je refasse tout le chemin.
Voilà, donc les 5 fleurs, c'est bon. Ok. On essaye le ballon et le chapeau du pépé qui dort hein, dans ses choux. Je pense qu'il va être trigger quand je vais venir. Mais le ballon, je veux. Heureusement que j'ai touché la. Je crois que le fait que j'ai touché la cloche, là, ça va m'aider pour le ballon. Mais après. Compliqué, hein. Je sais pas comment l'artiste va réagir. Je suppose que je ne peux pas le prendre à plein bec, comme on dit. Donc, du coup, ça va être complexe. Tu dois faire avec les ailes, je pense. On va chercher le chapeau d'abord. Mais elle boite, hein. C'est pas la même, hein. C'est une O3, ça, hein. Mon pépé, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas s'il me poursuit. Il a pas l'air. Bon, le ballon, je sais pas si je vais pouvoir réussir à faire le combo avec. Combo gagnant ou pas. Donc on va d'abord faire ça. Non, la porte elle est là. 2 minutes, Nina. Ninacha, 2 minutes. Je te vois, je vais te donner de quoi faire, t'inquiète. Tiens, tu veux bien l'accrocher? Tu veux bien l'accrocher? Parce qu'il est chauve comme le chauve. Non? Si tu veux pas, moi je le mets, hein. Voilà. Mais faut en faire plus que une. Oui, il faut en faire plus qu'un. Bon, le ballon, on teste le ballon et après, si le ballon se passe pas. Ça va le chat, t'inquiète, 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 t'inquiète. Arrête d'agresser le chat. Oui, bah oui, attendez, je vais libérer le chat parce qu'il vient de se réveiller. 2 minutes. Bah oui. Le retour. On finit et du coup je vais pouvoir donner à manger au chat. Parce que c'est ce qu'il demande là. Ah non, c'est pas par là qu'on doit passer. Alors le ballon, je sais pas trop comment on va faire, parce qu'il a l'air d'avoir du pipeau là. Alors, on peut le prendre. Ah non, on peut le pousser. Ok, c'est autre chose. Bon, déjà, ça va être plus simple. Je pensais qu'on allait jouer. Contrôle, contrôle. Contrôle. Petite passe en profondeur. De toute façon, tu vas pas toucher au ballon, donc moi je sais. Il est où le ballon? Mais tu m'énerves. Il est où le ballon? Voilà, là on le voit, c'est un peu.
Ouh là là, ça va être compliqué. C'est bien, mais en tout cas, on me laisse faire. Ouais, je vais faire comme ça, c'est mieux, hein. C'est un peu plus contrôlé, quoi. Je sais pas si les ailes ça aide, hein. J'imagine. Oh, le centre de la cam. Hop. Oui, en fait, ça va un peu plus loin. Quand même. Non mais ah, faut pas non plus m'embêter hein, s'il vous plaît. Petit dribble. Non, pas dans le sens, oh là là. Bien, tu peux double clic et double fois là aussi. Ok. Excusez-moi, j'ai tout cassé. Non, mais dans l'autre sens, wesh. Bizarre, lui. Ce truc m'embête. Non! Alors non. Tu ne prends pas la balle à la main. Ah oui, remarque, tu vas la jeter de l'autre côté, non? Vas-y, fais. Fais, je t'attends de l'autre côté. Oh là là, petit dribble! Ah, excusez-moi, j'ai cassé votre poisson. Sans pente? Sans pente. Sans pente. Mon Dieu, sans pente. Vite. On va marquer. Allez, on y est. Oh là là. Pas la pente. Pas la pente. Non! Pas la pente, non, pas la pente. Peut-être que vous voyez pas ce qui se passe, mais moi je sais. Ok. Hop là. Allez, on va y arriver. Oh, pas dans le bon sens. Et but! Wow, mais ça a l'air compliqué là. C'est quoi cette pente? Non mais... Ouais, s'il te plaît, fais... Non! Oh, c'est dur, c'est dur. Et voilà. Ouh.
Allez, voilà. Donc, du coup, on a fini. Pas tous les achievements, mais on en a fait pas mal déjà. Bon, par exemple, faire le spectacle, ça va prendre plus de temps. Compléter la liste des tâches du jardin, faudrait refaire le jeu. Voilà. Les achievements, quoi. Donc, pour rappel, on a fini le jeu, c'était cool. Je suis content. J'espère que vous l'êtes aussi. C'est le plaisir, c'est la famille. C'était vraiment bien. Il y avait vachement de trucs intéressants. Ce qu'on peut dire du coup pour finir, on va finir sur une note un peu simple là, en se disant ce qu'on va faire dans la semaine. Je vais rajouter un repère pour la fin de Untitled. Et vu que je peux me permettre avec OBS de rajouter un doc en deux temps trois mouvements et changer ce qu'on fait. Donc là, on discute vite fait. Donc oui, pour vous expliquer très rapidement ce qu'on va faire. Donc la semaine prochaine, du coup, il y a Chronologie des femmes artistes. Bien entendu, jeudi à 21h, que je vais vous faire partager grâce à Wizbot les informations. Donc à 21h, et on retrouve le chip stream avec Vandal, du coup, la semaine prochaine aussi. En espérant qu'on réussisse à bien avancer sur les puzzles qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je vais chercher un autre jeu que Untitled Ghost Game. J'avais parlé de Jet Set Radio Future, mais ce sera peut-être pour plus tard. On va essayer de faire des trucs, hein. Donc voilà. Sinon, il y a Petit Cancan qui, donc Petit Cocanou qui est modo slash Fort Boyard game en ce moment, qui c'est mardi à 20h. Vendredi, toujours Histoire Crépue qui est là pour faire des revues de presse décoloniale sur Twitch. Je peux vous faire tourner aussi, si vous vous êtes intéressé à la vidéo de tout à l'heure, le Twitch de Fortslime. Et du coup, vu que j'ai fait tomber le. Enfin, j'ai fait tomber. Vu que je vous ai partagé déjà le. Sa chaîne YouTube, oulala là là, c'était dur. Sa chaîne YouTube, voilà, on coupe mon son, et du coup, je vais vous faire tourner son Twitch parce qu'on est sur Twitch. Du coup, on se retrouve nous jeudi à 19h, à 21h, et Chipstream à 14h dimanche prochain. Pas grand chose de plus, pas grand chose de moins. Comme d'habitude, les replays sont disponibles sur YouTube et donc la chaîne de Fortslime vient d'apparaître. Mais n'oubliez pas la chaîne YouTube de 13 bis qui a des replays. Du coup, YT pour le petit appel et TW pour Twitter si jamais vous voulez suivre les chronologies en même temps que nous. Je vais essayer de peut-être regarder vite fait sur YouTube 13 bis qu'est-ce qu'on a en sortie. Il y a eu normalement. Oh! Est-ce que j'ai fait la miniature? Oh là là! Alors attendez, je regarde vite fait. Est-ce que j'ai fait la miniature? Grande question. On va enlever ça, on va mettre Chrome. Est-ce qu'on a fait la miniature? Non! La miniature du Jet Set Radio 2 n'est pas faite. J'ai oublié. J'ai oublié que je devais la faire. J'ai oublié. Oh! Ma première miniature oubliée. Donc du coup, la première est faite. Et du coup, j'ai pas mis à jour. C'est ça en fait, parce que je l'ai faite, mais je l'ai pas mis à jour. C'est encore pire.
Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à suivre le Twitter. Vous avez les lives de Chronologie des femmes artistes où je m'amuse un peu à, en plus, faire des petits trucs. Je vais dépiner celui-là. Celui-là, c'était le dernier. Il y a aussi des rappels de comment suivre. Voilà les. Il y a les lives, il y a les artistes, etc. Mais il y a aussi les replays. Donc par exemple en replay. Donc là je les ai pas mis à jour, mais je vais le faire hein, maintenant. Et rajouter donc Chronologie des femmes artistes 7 par exemple. Qui est sorti maintenant il y a un moment, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas mis à jour. Et voilà. Ouverture facile, c'est fini. Jet Trio 2 a commencé. Chronologie des femmes artistes, on en est au 10. Et le 10, c'est celui où il n'y a pas le son. Donc rassurez-vous, il y aura le topo dans le 11. Mais vous pouvez quand même regarder, voir et lire ce qui a écrit, les artistes qu'on a, sur lesquels on a parlé. Il y avait du beau monde. Donc voilà, je vous conseille. Pas grand-chose de plus à part, bon, on se fait des bisous. Salut Eren, j'espère que tu vas bien et que tu as bien tu as bien ton équipement pour SNK. Parce que je sais que les géants, c'est compliqué. On était en train de partir, mais du coup on a fini Untitled Goose Game et Vandals. On a commencé, mais c'est pas fini. C'est un jeu de graffiti. C'est un peu ce qu'on fait un peu ici. Du graffiti en jeu. Donc Jet Set Radio par exemple. Et le jeudi à 21h, on fait une chronologie des femmes artistes. Voilà. J'étais en train de faire le tour des trucs à partager, je sais pas si t'as vu, mais du coup, tu peux aussi, toi, te permettre de faire les points d'exclamation YT pour YouTube, si tu veux checker ce que c'est, et ce qui est dans le futur. Ouverture facile, par exemple, c'était un jeu Flash d'énigmes, qui est Flash qui s'est terminé le 31 décembre, et Chronologie des femmes artistes qui continue toujours. Après Jet Set Radio, il y aura du Pikuniku. Après Pikuniku, il y aura un autre jeu. Je me rappelle plus de tête ce que j'ai fait. Je pense que ça doit se voir dans les contenus. Je vais regarder vite fait. Il y a Sludge Life, un jeu de graffiti aussi. Et ensuite, on fait Survivalist où j'ai pas survécu. Et on a enchaîné ensuite avec Untitled Goose Game et là Vandals pour aujourd'hui. Commencer. D'ailleurs, si tu veux, il y a un clip qui a été fait pour par Nibbler. Alors je sais pas. Clip de ma chaîne. Voilà. Est-ce que je peux voir un clip de ma chaîne? On va regarder. J'ai coupé le son d'ailleurs parce que j'ai mis en grand, mais. Ça, c'est le village miniature du village miniature. Hein. C'est quand même une histoire. Ah, faut que j'enlève tout là. Donc, ça, c'était. Voilà! Voilà ce qu'on fait à la royauté, nous! El Pueblo Unido, comme on dit. Ah oui, si vous n'avez pas vu le truc à l'Odéon, je vous conseille. Ah, il y a un décalage avec ma El voix, c'est. Pueblo Unido. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, je vais dire que j'accepte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre et à partager si vous êtes motivé. Eren, à plus. Moi, je m'en vais maintenant. Salut. Salut, Nibbler. Je sais pas si t'es encore dans le coin. N'hésite pas à revenir, Eren, jeudi à 21h ou dimanche à 14h encore. Je me fais ban aussi, tu es là, donc du coup, salut. Et du coup, salut aussi Nibbler, du coup, parce que je t'ai pas dit salut, hein, bien entendu, je te dis au revoir. Je ne sais pas qui y a d'autre sur ce stream à part les robots. D'ailleurs, au revoir les robots. Abbott Costello, Bing Cortana qui a toujours été là, Commander Root, Go With Him, Ice Wizards, Lurks qui fait toujours son pervers. Et Wizbot, Streamlabs, Nightbot, salut. À plus! Pas censé du tout faire le.
le ralenti comme ça, le fondu au noir. Là, normalement, il n'y a qu'une seule transition et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Bon, salut.